ici à la fonderie Fusion, qui se trouve au fin fond de l'Auvergne, entre volcan et montagne, avec une équipe très très restreinte de gens qui connaissent parfaitement mon travail, avec qui je collabore depuis maintenant 18 ans. Chacun connaît mes manies, mes qualités, mes défauts, mes obsessions, ma façon de réfléchir, mes réactions. Et ça nous permet d'avoir une optimisation de travail qui est au-delà des mots et d'une très très grande qualité. Je suis en train de réaliser une commande de 2 sculptures monumentales qui m'ont été commandées par ADP pour le terminal 2E de Roissy-Charles-de-Gaulle pour l'aéroport de Paris. Et c'est une très belle aventure, donc c'est un très joli projet. Je m'apprête à faire demain l'installation pendant la nuit avec toutes les équipes en place et quand les passagers ne sont pas là. Je me réjouis de ces moments un peu forts aussi de partage autour de l'installation. Je me sens utile. C'est-à-dire que tous les gens qui s'ennuient, qui s'impatientent, qui s'angoissent en attendant leur avion, peuvent utiliser leur temps de façon un peu spirituelle, en rêvant, en se posant des questions sur ces sculptures, qui invitent d'ailleurs à réfléchir parce que les titres sont sur les socles et restent avec des petits points de suspension.